nous organisons aujourd'hui, avec plusieurs partenaires, un colloque international sur une thématique d'actualité, à savoir capital humain et échanges internationaux, dans la mesure où aujourd'hui, le capital humain est considéré comme un levier de développement et d'émergence, et on ne peut pas améliorer la compétitivité globale des nations et la compétitivité des entreprises sans qualification du capital humain. Et dans cette perspective, la Banque mondiale a eu l'importance du facteur capital humain dans le développement, a élaboré un nouvel indice sur le développement humain. Et nous organisons cette activité en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux, comme l'Organisation mondiale de l'OMC, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Faculté de sciences de l'éducation, et également des partenaires français, suisses, sénégalais et béninois, et comme le laboratoire d'économie appliquée au développement et les chaires du Sénégal et de Cotonou. Je suis ici en tant que représentante du centre de recherche en économie de l'Université de Toulon, qui est le laboratoire d'économie appliquée au développement, et aussi en tant que responsable du pôle de recherche pluridisciplinaire échange et société en Méditerranée. Alors, donc l'Université de Toulon est partenaire du colloque, en fait, c'est la sixième année de Rabat. Et cette année, le sens particulier de notre participation, c'est l'importance du capital humain dans les processus de développement et de croissance économique en général, avec un accent particulier qui est mis sur la thématique habituelle de la manifestation, qui est les échanges régionaux et l'insertion dans les chaînes de valeur internationales. La valorisation du capital humain est très importante pour l'université marocaine parce qu'elle permet d'abord à nos étudiants d'avoir de meilleures chances socio-professionnelles. Et c'est vrai que puisqu'on est dans l'internationalisation, il y a un certain nombre de structures étrangères qui justement s'intéressent à ce profil. Et il y a un certain nombre de nos étudiants qui, lorsqu'ils font des études, sont touchés par des structures internationales et ont de fortes potentialités pour pouvoir réussir. Mais notre objectif, ce n'est pas de former à l'international pour qu'on puisse exporter nos compétences, mais plutôt pour qu'on puisse en profiter au sein de ce pays et contribuer au développement de divers secteurs marocains. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي